The Louis Bernard Winery, located in Gigondas, was founded in 1976 in the heart of the Rhône Valley, birthplace of Côte du Rhône wines and their legendary top growths. From Châteauneuf-du-Pape to Gigondas, from Côte du Rhône to Côte Rôtie, welcome to the Rhône Valley. The Domaine de la Croix des Papes in Châteauneuf-du-Pape and the Louis Bernard Winery united their efforts over 25 years ago to produce one of the finest examples of this mythical vineyard. L'histoire du domaine commence en 1768 avec l'achat par l'un de mes ancêtres de la première parcelle de vignes sur Châteauneuf. Le domaine s'est agrandi au fil des générations et s'est composé actuellement d'une trentaine de parcelles qui sont composées principalement du cépage Grenache, qui est le cépage historique du Châteauneuf-du-Pape et qui est complété avec un peu des Syrah et du Bourvèdre. J'ai commencé à travailler sur le domaine il y a une trentaine d'années aux côtés de mon père qui m'a appris au fil des ans le travail de la vigne et qui m'a transmis l'expérience de mes ancêtres. Parce que je représente la septième génération dans la famille qui travaille ce domaine. Quand j'ai commencé la gestion du domaine il y a une vingtaine d'années, il était important que je puisse m'appuyer sur les connaissances et l'expérience des œnologues des domaines Bernard, afin de pouvoir tirer le meilleur et du vin que l'on produirait et donner du plaisir aux amateurs. Our journey through the Rhône Valley brings us to Château Noël Saint-Laurent, whose origin can be traced back to the 13th century. Since the 1950s, the Noël family has perpetuated their know-how and their passion with complete respect for the environment. Nous sommes en agriculture raisonnée, que le travail de base vraiment d'un vigneron, c'est d'être à l'écoute de son végétal et de vérifier que tout va bien. Donc ça passe par un travail régulier dans les vignes. Nous sommes, tout notre vignoble est enherbé, nous pratiquons les bourgeonnages en verre, nous effeuillons les zones fructifères de manière à éviter des traitements phytopharmaceutiques inutiles, autant travailler le plus proche de la nature et se servir des conditions climatiques exceptionnelles que nous avons nous en Provence, c'est-à-dire le vent et le soleil, et qui nous permettent régulièrement d'éviter l'application de produits de façon inutile. To perpetuate the Louis Bernard style, a dedicated winemaker works in tandem with the wine growers throughout the year in winemaking and vineyard management. This total involvement in the winemaking process ensures the highest standard of quality. Chez Louis Bernard, la priorité est de respecter la richesse des terroirs, la diversité des cépages, afin d'obtenir des vins hautement qualitatifs, à la fois fruités, ronds et gourmands. La maison Louis Bernard s'implique depuis toujours dans le respect de l'environnement. À titre d'exemple, nous avons la cave, qui utilise des moyens de rétention d'eau afin d'optimiser son utilisation et de la recycler. Nous avons aussi développé une bouteille allégée, de manière à réduire l'impact carbone. D'une manière générale, on est au plus proche de la nature et on essaie de la respecter. Nous choisissons des partenaires qui ont la même conception de la viticulture que nous. On établit des liens avec eux, permettant ainsi de les suivre tout au long de l'année, aux étapes clés de la viticulture et de l'œnologie. La vallée du Rhône est une région propice à l'agriculture biologique, grâce à son soleil, ses sols argilo-calcaires, son mistral. Je dirais que tout ça permet aussi d'appuyer le fait que nos partenaires puissent passer en agriculture raisonnée ou biologique. This concludes our tour. From Châteauneuf-du-Pape to Gigondas, from Côte du Rhône to Côte Rôtie, the Louis Bernard Winery offers a rich and diverse selection of exceptional wines.